chanson. Je vous dis simplement qu'il faut s'aimer pendant qu'il est temps et qu'il y a la vie. Qu'il ne faut jamais qu'on oublie la vie. Que chaque jour il faut lui dire merci et que demain commence aujourd'hui. Mitzi se marie avec Serge Lemoine, l'empereur de la chaussure. Mitzi va-t-elle abandonner définitivement sa carrière? Dixième anniversaire de mariage. Mitzi se tue dans un accident de voiture. Veuve, riche, désœuvrée, mais toujours aussi dynamique, Mitzi décidera alors de se consacrer au bonheur des autres, ou du moins d'essayer de leur éviter trop de malheurs, et de leur communiquer son enthousiasme et sa joie de vivre. Si j'étais le soleil, le bleu du ciel serait toujours pareil. Chacun sur terre aurait au fond du cœur un grand bonheur. Et moi, je chanterai. La vie est belle, un nouveau jour est né. Et si tu veux qu'il soit un jour de joie, chante. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Encore. Voilà. Un petit arrache. Un petit arrache. Et voici le plus. Lui approuvé. Lui est approuvé. Et enfin, le dernier. Lui approuvé. Bien entendu. Fini? C'est fini pour ce trimestre, ma chère amie. Voilà. Merci. Le conseil a bien marché. Oui. Maintenant, je voudrais vous parler de l'exportation. Oh non, écoutez, cher Beaumanoir, vous savez que j'ai horreur de chiffres. Admettez, chère madame, que depuis 2 ans, après la mort de votre pauvre mari, nous avons réussi à maintenir la courbe des ventes. Oui, je sais, cher Beaumanoir. Vous êtes un homme de valeur. Je vous en complimente et je vous en remercie. Mais je vous raccompagne. Merci. Mais que madame fasse attention, elle verse du café dans le sucrier. Je suis désolée, Hyacinthe. Je pensais à autre chose. C'est bien ce que je pensais aussi. Allô, SOS, j'écoute. Mais ce n'est pas si facile, vous savez. Il faut d'abord réaliser si vous êtes capable de résister à l'angoisse.
Alors pour ça, nous avons des groupes de formation préalable à l'écoute, animés par des psychologues, des psychiatres. Écoutez, je le ferai si vous y tenez, mais vous savez, le téléphone, moi... Oh, bien sûr, au cas où vous seriez en panne, je répondrai. Mais ce que je veux, enfin, ce que je voudrais, c'est aller sur le tas, foncer, m'occuper entièrement de ceux qui en ont besoin. Oui, mais le drame, c'est que la plupart des gens qui appellent ici préfèrent garder l'anonymat. Par regroupement, parfois, on arrive à les situer. Écoutez, le jour, la nuit, vous m'appelez. Voilà ma carte. Mon téléphone chez moi, mon téléphone dans la voiture d'homme d'affaires qu'avait mon mari. N'hésitez pas. Je vais vous présenter le noyau de l'équipe. Les autres ne viennent que quand ils ont le temps. Bonjour. Didou. Bonjour, Didou. Odette. Bonjour, madame. Bonjour, Odette. Je vous présente Pitsy. Enfin, madame Lemoine, dont je vous ai parlé. Elle veut être le fer de lance de notre équipe. Elle ira sur le terrain. Mais dites-moi tous les trois, mais c'est merveilleux, ce bénévolat. Mais comment gagnez-vous votre vie? Odette est retraitée des postes, standardiste. Didou est assistant metteur en scène, au chômage. Et moi, je travaille dans une banque jusqu'à 5 heures. C'est très rare qu'on soit tous les trois réunis. Mais ce soir... C'est la fête. Mais Hyacinthe, asseyez-vous. Mais madame... Si, si, j'y tiens. J'ai à vous parler à tous les deux. Tu vas pas nous parler de ton idée zinzin d'aller soigner des lépreux du monde, non? Je vais les soigner à Paris. Il y a des lépreux à Paris. Sois pas stupide. Je n'ai jamais parlé de l'hébreu. J'ai parlé de gens qui pourraient avoir besoin de moi. Je les trouverai sans aller au bout du monde, crois-moi. Non, ce qu'il y a, c'est que cette nouvelle vie risque de perturber notre petit train-train quotidien. Moi, j'avouerai à madame qu'il y a un moment que j'espère que madame va bousculer ce qu'elle appelle notre petit train-train quotidien. Et toi, tête de bois? C'est pas au moment où tu vas faire le plus de bêtises que je vais te priver de ton chaperon. Et me voilà, mais c'est parfait! Hyacinthe, allez chercher du champagne. Très bien. On va trinquer à notre nouvelle vie. Au bonheur des autres. Et au nôtre! Mais puisque je ne t'aime plus... Ça m'est égal! Tu vas! Et ça, ça t'est égal? Pourquoi, il n'y a pas si longtemps, tu m'aimais pas? Hein? Ta jalousie, c'est devenu du vice! De la maniaquerie! C'est ta faute, tu fais tout pour que les hommes se retournent! C'est faux, laisse-moi partir! Non, jamais! Moi vivant, jamais, t'entends? Jamais! Jamais! Ma force, tu me fais chier! Salaud! Fils de ta force! Salaud, tiens! Un homme. Un homme très fort. Je sais pas si c'est intellectuellement ou physiquement. En tout cas, il est sur la route, hein. Faudra te méfier. Allô? Allô, je vous en supplie, venez me délivrer. Non, il me séquestre. Mais c'est un fou. Un fou de jalousie, mais un vrai fou. Mais partir, mais je ne peux pas, je suis ligotée, j'ai rampé jusqu'au téléphone. Non, il est allé acheter des cigarettes. S'il sait que j'ai appelé, il va me tuer. Oui. 4 rue Sébastien, 3e droite. Je sais bien qu'au bout de chaque route, il y a un
bosquet d'amour. Enfin, ce qui me tracasse, c'est cette violence qui revient tout. Allô? Gérard? Je vous écoute. Oh. Ces gens de SOS, ils exagèrent. Hein? Les gens qui téléphonent pour choisir leurs heures pour avoir des malheurs. Une séquestrée. Oui, j'ai compris. Troisième à droite. Bon, j'y vais. Bonsoir. À cette heure-ci, c'est pas humain. Les gens sont d'un mal élevé. L'éducation n'a rien à voir là-dedans. Que veux-tu? La nuit tombe, l'angoisse se lève. Et toi, pas d'angoisse. Ne m'attends pas. Et couche-toi. Monsieur, dame, ouvrez-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le feu? Non, la porte, monsieur. Quoi? Fait-il? La porte! Je voudrais entrer. Donnez-moi le code, enfin, je veux dire, les chiffres et les lettres. Mais pourquoi voulez-vous entrer? Ce serait trop long de vous expliquer. Écoutez, maintenant vous nous avez réveillés, alors nous avons tout notre temps. Racontez, madame. Eh bien, moi, je n'ai pas le temps de raconter. Je dois absolument entrer dans cet immeuble. Tout de suite, je suis pressée, j'ai quelque chose de grave à y faire. De grave? De grave. Grave. De grave pour qui? Mais... ici, dans cet immeuble, qui connaissez-vous? Je ne connais personne. Personne? C'est une inconnue qui ne connaît personne. Mais madame, ce code, je l'ai justement fait installer pour éviter aux locataires d'être dérangés après 10 heures par des inconnus, des représentants de commerce ou des quêteurs. Madame, vous ne rentrerez pas. Non, madame, vous n'entrerez pas. Vraiment? La fermez là. Non, non, bon, vraiment. Vous non, madame, non, vous n'entrerez pas. Oh, oh. Ça, par exemple. Oh. Pardon. Vous n'avez pas de mal? Non. Ah, bah, tant mieux. Ah, écoutez, moi, je me présente, je suis Mitzi le moine. Des chaussures. Des chaussures? Ah, oui, et les chaussures. Vous voulez un porto? Non, merci. Une autre fois. Merci. Au revoir. Un porto. Bonsoir, monsieur. Je fais une enquête pour Pousse Pousse Poil. Un produit qui arrête totalement la chute des cheveux. Oui, écoutez, madame, je n'ai besoin de rien, ni encyclopédie, ni assurance vie, rien. Alors, je comprends très bien que vous ayez besoin de gagner votre vie, même à cette heure-ci, mais moi, je vis très bien tout seul et je n'ai besoin de personne. Tout seul? C'est à voir. Moi, je sais que vous n'êtes pas tout seul. Où la cachez-vous, hein? Oh, mais je la trouverai, la malheureuse. Oh, quelle malheureuse? La malheureuse jeune fille que vous séquestrez. Moi, j'ai séquestré une malheureuse jeune fille, mais vous êtes malade? Oui, malade d'écœurement. Allons, vite, dites-moi, où l'avez-vous cachée, hein? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais moi, je sais très bien de quoi je parle. Une pauvre fille, ligotée, enfermée par le sadique que vous êtes. Mais je suis venue la délivrer. Mais non, ou vous êtes folle ou vous vous trompez d'immeuble. 4 rue Sébastien. Troisième droite, c'est bien ici.
Troisième droite. En montant par l'escalier ou en montant par l'ascenseur? Ah. Ah ben oui, en bas. Oh ben, j'avais pas pensé à ça. Je ne serais pas étonné qu'il s'agisse de mon voisin de palier. Parce que c'est une brute à qui je n'ai jamais pu arracher un bonjour. Et ce que j'ai aperçu de sa musculature m'a paru assez effrayant. C'est King Kong. Oh. Et je n'ai jamais vu un qui vive à ses côtés. Il fait tout seul ses courses, son marché. Bien sûr, puisqu'elle est séquestrée. Oh. Oh, ben, cher monsieur, il ne me reste qu'à vous remercier pour votre hospitalité. Et à m'excuser pour cette intrusion ô combien intempestive. Non, mais pas du tout, pas du tout. Vous m'avez distrait. Ah. J'espère que vous ne ferez pas chou blanc chez mon voisin et que vous en ressortirez indemne, parce que il n'a pas l'air commode. C'est par ici. Après vous, je vous en prie. Pardon. Bonsoir, monsieur. Je fais une enquête sur Pousse-Pousse-Poil, un produit qui arrête totalement la chute des cheveux. Et je voulais vous demander... Master C! Vous foutez de ma gueule ou quoi? Je vous la savonner, moi, la tête. Et quand vous n'aurez plus un cheveu, vous pourrez vous en servir de votre produit pourri! Et maintenant, vous allez me foutre la paix. Compris? La paix! Je vous avais prévenu. Pas commode, hein? Voulez-vous revenir chez moi et boire quelque chose? Le temps de reprendre vos esprits. Un doigt de muscat, peut-être? Volontiers. Et surtout, je vous demanderai l'autorisation de donner un coup de fil. Oh, mais bien sûr. Par ici. Vous êtes chez moi, chez vous, chère madame. Asseyez-vous. Pardon. Et il me semble que je vous ai déjà vu quelque part. Ah. Que boirez-vous? Un muscat ou peut-être une cerise à l'eau de vie? Non, je vous en prie, ne vous dérangez pas. Écoutez, gardez la cerise et donnez-moi une lichette d'eau de vie. Pour me donner du cœur au ventre. Volontiers. Vous permettez que je téléphone? Oh, bien sûr. Parle. Merci. Allô? Gérard? Oui, je suis sur place. Enfin, presque sur place. Non, pas dans la rue. Chez un voisin de palier charmant. Non, charmant. Écoutez, Gérard, j'ai besoin d'aide pour entrer chez le sauvage qui séquestre la fille. Hein? Non, 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 vraiment. Non, je ne peux pas demander au voisin charmant de se bagarrer. Le sauvage n'en ferait qu'une bouchée. Ah, mais c'est un colosse, hein? King Kong! Écoutez, envoyez-moi Didou. Non, non, non. Ici, chez le voisin de palier. Oui. Troisième à gauche. 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 Ah oui, gauche en sortant de l'ascenseur, oui. Oui. Ah, attendez, je vais vous donner le numéro de code de la porte d'entrée. Oui, ça évitera à Didou de faire ce que j'ai fait. Oh, mon nom aussi, je vous raconterai une histoire assez marrante. Ah oui, le numéro de code. Le code, s'il vous plaît. 22. B-A-B 22. 22 B-A-B 22. Oui, comme. Non, ben, je compte sur vous. Au revoir. Pardon.
Expliquez-moi, chère madame, ce qui vous pousse exactement à aller à la recherche des séquestrés dans les immeubles à la nuit tombée. Non, moi, cher monsieur, on ne peut pas dire que je sois vraiment spécialisée dans la visite des immeubles à la nuit tombée, non. Je ne suis pas assistante sociale ni infirmière de nuit. Non, je suis tout simplement une veuve riche et oisive qui a décidé plutôt que de s'ennuyer assise sur son coffre-fort de dépenser son temps et son argent à aider les autres. Une sorte de sœur de Saint-Vincent de Paul qui aurait gagné au loto. Vous riez, mais je vous assure qu'il y a beaucoup d'égoïsme dans ma démarche. Hein, si les gens qui en ont les moyens savaient le plaisir que l'on prend à aider ceux qui n'en ont pas, ou ceux qui ont des ennuis, au travers des drames. Mais comment découvrez-vous? Mais je suis comme une sorte d'antenne mobile d'un centre de secours qui groupe des jeunes, des moins jeunes, tous bénévoles. Et qui, inspirés par SOS Amitié, ont voulu à leur échelle aider ceux qui en ont besoin. Les inquiets, les malheureux, les désespérés. Vous voyez, ce soir, c'était l'appel de votre voisine, séquestrée par l'espèce d'orang-outan que nous avons vu. Charles Briseux, fonctionnaire à la retraite et veuf. Mais pas assez désespéré, malheureusement, pour que vous vous occupiez de moi. Mitzi le moine. Le moine? Les pantoufles? Ma parole, celles que j'ai aux pieds sont des lemoines. Elles viennent de chez vous. Cher monsieur, je ne veux pas faire preuve d'un snobisme exacerbé, mais le moine, c'est un peu plus que vos pantoufles déjà un peu lasses, me semble-t-il. Non, le moine, c'est la chaussure en général, en France, en Europe, et même un peu plus loin. Fistre et veuve, fistre et charmante. Vous êtes, j'ai l'impression, le plus beau parti de France. Pardon? Oui. Qui? Quel parti? Moi, un beau parti? Vous? Allons, allons, allons. Ne dites pas de bêtises, voyons. Oh, franchement, chère madame, entre deux sauvetages, ne vous sentez-vous pas un peu seule dans la vie? Oh, pas du tout. Oh, non, alors, pas du tout. Vous savez, pour faire ce que je fais, il faut être justement seule dans la vie. Ne pas avoir d'attache. Mais vous avez bien dit que vous vous occupiez des malheureux. Eh bien, moi, chère madame, il faut que je vous l'avoue, il m'arrive parfois d'être un peu malheureux. Parce que depuis la mort de ma femme, il y a 3 ans, je souffre certains soirs comme celui-ci de solitude, d'un manque de caresses à donner et à recevoir. Pas vous. Non, 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 pas moi, pas moi. Ah non, franchement pas. Non, non, je vous assure, vraiment pas. Allons, allons. Du calme, du calme. Écoutez, monsieur Briseux. Non, enfin, je veux dire, monsieur Briseux. Je vous promets que nous étudierons votre cas plus tard. Pourquoi pas ce soir? Pourquoi pas tout de suite? Pourquoi nous priver tous les deux d'un moment qui pourrait être charmant? Pourquoi nous priver d'une liaison, mieux même, d'une union qui pourrait être heureuse? Ça, j'en suis sûr, j'en donnerai ma main à couper. Une union heureuse, j'en suis sûr aussi. Mais heureuse pour engraisser votre retraite. Allons. Allons, monsieur Briseux, brisons-la. Vous ne croyez pas au coup de foudre? Voyez-vous, monsieur Briseux, je crois à votre coup de foudre. Un coup de foudre pour les chaussures et les usines Lemoine. Oh, vous êtes... Un lucide, oui, je sais. Hélas pour vous. Oh. Ah, oh, oh, oh. Alors, Mitzi, vous aviez besoin de gros bras? Et voilà. Didou, monsieur Charles Briseux. C'est ce monsieur qui terrifie le monde par ses brutalités? Oh non, lui, ce serait plutôt le contraire. Il me terrifie de ses douceurs. Oh là là. Non, il s'agit du voisin de palier, un monstre qui ne veut pas que je rentre. Et il faut absolument que nous y entrions. Bon, alors, Gérard vous l'a dit? Oui, Gérard m'a tout expliqué. Bon, alors, je vais me cacher pour qu'il vous croie seul. Mmh. Et dès que je peux, je lui rentre dedans. On y va. Thank you.
Encore vous? Je ne veux rien, allez du large. Des soporifiques pour que je ne téléphone plus. Vite, Didou, amenons-la. Courage, Didou. Et vous, Briseux, vous ne voulez pas nous aider? Oh, mais volontiers, madame, volontiers. Volontiers. Oh, d'autant que cette chère enfant est comme une plume. Ah, c'est moi qui le dis, alors allez. J'ai eu mon pesant de bagarre pour la journée. Tu t'es battu? Oui. Avec une sorte de... Monsieur Muscle. Oula. Qui m'a mise KO. Oh. Eh bien, le roi t'avait prévenu. Tu veux pas m'écouter? Oui, bon, à partir de demain, je circule avec Hyacinthe. Dès que tu le vois, dis-lui de faire chauffer ses muscles. Il en aura besoin. Ah, et moi aussi. Oh. Ah ah. Oh là là. Oh non. Oh. Cette femme est une grande malade. En forme, Hyacinthe? Oui, madame. Malgré votre escapade nocturne? Madame, si je m'étais douté, je n'aurais pas découché hier soir. Mais rassurez-vous, hein, ce matin, prêt à me battre. Oui, mais mon pauvre Hyacinthe, j'ai bien peur qu'il faille le prendre en traître. Mais vous savez que c'est un colosse, hein? King Kong. Écoutez, madame, j'ai quelques coups de karaté auxquels lui-même il ne s'attendra pas. Enfin, j'espère. Attention. Et voilà. Je fais diversion, vous vous jetez sur lui, moi je traîne la fille dans la voiture, et hop, l'affaire est dans le sac. Hyacinthe! Oh, debout! Oh. J'ai l'impression qu'il est urgent que je vous offre des cours de perfectionnement en karaté. Allez hop, l'affaire est dans le sac? L'affaire. Ah oui, bon, allez hop, descends, debout. Oh, madame, vous m'aviez parlé d'un colosse, mais c'est pas un colosse, c'est un monstre en béton! On n'arrivera même pas à l'achever à coups de hache. Alors, il faut trouver autre chose. Où c'est vous qu'ils allaient tous les deux? Au marché, peut-être. Au marché? Au marché? En tenue de sport? Ah non, moi, je parierais plutôt pour le jogging. Ah oui, peut-être. Non, de toute façon, il faut essayer de délivrer cette malheureuse. Bah oui, mais comment? Comment?
Ça y est, Hyacinthe. J'ai un plan. Ni vu, ni connu. Un coup, je t'embrouille. Allez, hop. Oui, madame. Les voilà. Ah bah dites donc, c'est un peu mou tout ça. Allez hop, un peu de muscle. Voilà. Monsieur. Bonjour, Joseph. Vous êtes ensemble? En quelque sorte, oui. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fabrique exactement chez vous? La santé et la beauté. Enfin, tout ce qui peut à la fois embellir, affermir et développer le corps, améliorer et consolider la santé. L'homme qui vient d'entrer en tenant la main de jeune fille est en effet superbe. C'est un spécimen dû à vos méthodes? Ah, vous voulez parler de Monsieur Boris? Oh, lui, c'est un peu spécial, il est un peu le patron. Ah, je ne vous garantis pas, monsieur, que vous aurez en quelques mois ses pectoraux et ses biceps. Ils s'entraînent plusieurs heures par jour. Nous allons nous entraîner, nous aussi. Tous les deux. C'est combien l'abonnement pour deux? Enfin, disons pour... 6 mois? 6 fois 2... 1200 francs. 1200 francs. Ça. Prends ses muscles. Les vivres musclés. Ouh! J'en peux plus. Merci. Ouf. La 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 la. Ouf. Ouf. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Non, vraiment à ton âge. Voyons, jouer les jeunes sportives. Ah ben vraiment, Mehdi, il y a des moments où je me demande si tu as toute ta raison. Oh, mais ma pauvre Amandine, si j'étais raisonnable, mais je m'en irais à mourir. Ah, oh, Hyacinthe, vous êtes superbe. Merci, madame. Et comment vous sentez-vous? Comme un champion. Ah, oui. En forme, hein. Et puis prêt à m'entraîner un max pour plus être mis KO. Eh ben, alors, vous avez bonne mine, tous les deux. J'espère que vous n'allez pas sortir comme ça demain en tenue d'astronaute, hein. Oui. Ah non. J'y vais comme ça? Allez-y. Ah! Oh! Oh là là! Oh! Attention, Yassine. C'est bon! Voilà, merci! Ah, Charles-Henri! Ah, ben, c'est pas le moment. Je suis à Paris, puis. C'est pas de la diplomatie dont nous aurons besoin. C'est de muscles! Hein? Allô? Oui. À l'instant. Elles sont superbes, oui. Dîner? Quand?
Demain soir? Ah non, je suis désolée, ça n'est vraiment pas possible. Il pourrait peut-être nous être utile. Ah, Charles-Henri, je viens de réfléchir. Oui, ben, ok, c'est d'accord pour demain soir. Vous passez me prendre? À demain! Bonjour, madame. Alors, quel genre d'exercice voulez-vous pratiquer? Tout d'abord, souhaitez-vous développer certaines parties de votre corps ou au contraire les faire fondre? Oh, bah, c'est-à-dire que c'est un problème assez complexe. Non, mais vous voyez, à vrai dire, de là à là, je ne voudrais pas y toucher. C'est bien. Mais bon, c'est pas mal, quoi. Par contre, de là, j'aimerais bien perdre quelques centimètres. Quant au bras, alors là, il faudrait remuscler, raffermir. Peut-être un peu de gonflette, voyez-vous. Sinon, floc-floc. Bon, écoutez, si je peux me permettre, je crois que le mieux serait de commencer par quelques assouplissements. Ah oui? Suivez donc ces jeunes femmes. Ah bon? Un, deux, un, SOS. Deux. Et de la souplesse avant toute chose. Hein. Plus bas. Un, SOS. Deux. Et demain, nous étudierons votre corps plus en détail avec ces courbes et... Allez. SOS! Ah, c'est vous, oui! Vous ne me reconnaissez pas? Venez! L'autre soir, j'étais endormie, et hier, ça a été si rapide. Boris, vous a fait mal? À peine! Attention, il nous regarde. Je crois qu'il ne vous a pas reconnu. Faisons attention tout le monde. Il est tellement méfiant depuis votre intervention. Venez par là, ça vaudra mieux. C'était ma seule chance de prendre l'air. Le reste du temps, je suis bouclée. Et quand il sort faire des courses, il m'attache au barreau du lit. On peut peut-être vous sortir d'ici maintenant. Je ne suis pas seule. Le noir qui est là-bas est avec moi. Il ne fera qu'une bouchée de vous deux. Cela risque d'être un carnage. Voulez-vous que je prévienne la police?
Oh non, je ne veux pas qu'on lui fasse du mal. Voyez-vous, Boris est un simple et un tendre. Et un fort aussi, vous l'avez vu. Tous ses muscles sont hyper développés, même le cœur. Si, si. Seulement voilà, c'est un tyran. Bon, écoutez, il faut trouver un autre moyen que la police. Laissez-moi réfléchir. La nuit porte conseil. Hyacinthe ! Hyacinthe ! Bien sûr, les bords du Nil, des couchers de soleil inouïs. Être assis sous les palétuviers et voir ces barques aux mille couleurs qui se balancent pendant que l'astre du jour s'enfonce dans les flots. C'est... Madame prendra peut-être un petit dessert. Notre spécialité peut-être, vogue la galère. C'est une barque toute en nougatine, pleine de quartiers d'orange caramélisés sur un lit. Oh oui. Oh oui, un lit. Un lit? Ah oui. Oh non. Non. J'ai besoin de vous pour une mission, demain. Diplomatique? Non, pas du tout diplomatique. J'aurais besoin de vos muscles. Oh non. Oh si. Non, non. Si. J'ai le trac. Moi aussi. Et moi donc. Arrêtez la voiture. Je crois qu'on devrait s'échauffer un peu avant l'attaque. Garez-vous devant le gymnase, Excellence, et surtout laissez tourner le moteur. Oui. Et puis ensuite, agissez. Good luck. Bon. Yassine, si vous entendez des grands craquements, ne vous inquiétez pas, ce sont des articulations. Allons-y. Respirez à fond. Voilà, à fond, à fond. Attention, ne loupez pas la marche. Hop là. Ouah, ça va nettement mieux. Hop. 1, 2, 3, 4. Je crois que nous sommes fin prêts. Allons-y. Pardon. Bonjour. Monsieur. Bonjour, mademoiselle. Monsieur. Je songe à m'inscrire à votre club. Vous permettez que je jette un coup d'œil à vos locaux et à vos appareils? Oh, je vous en prie, monsieur. Un moniteur vous fera visiter. Merci, mademoiselle. Merci. Moi, je vais faire du punching ball. Ça va me faire les poings, je vais en avoir besoin. Et vous, qu'est-ce que vous choisissez? La détente. La détente? Alors? On paraît un peu ce matin? Oh là là! J'ai l'impression d'avoir l'épine dorsale dans des bagues à cheveux et tous les muscles en bronze. Oh, oui, mais c'est normal pour un premier jour. Attendez, on va remédier à ça. Allez, un peu de décompaction. Ah oh, oui. Allez. Voilà. Oh, j'aurais pas dû prendre mon petit déjeuner. Voilà. Oh. Allez. Oh, mon cœur. Encore. Allez. Oh. Bravo. Oh. Et vous verrez. Demain, oh, vous pourrez danser le lac des cygnes. Ah. Le lac du cygne, non. Voilà. Non. La mort du cygne, peut-être. Oh, la voilà. Qui ça? Une amie. Il faut absolument que je la voie. Oh. C'est une question de vie ou de mort. Ah non, mais écoutez, laissez-moi. J'arrive au même plein à lui parler. Oh. Attendez. Voilà. Oh. On recommence à le mettre. Ah. Oh. Oh. Allez, poussez. Mais c'est long, ça. Poussez. Oh. Poussez. Allez, 5. Oh. Encore 3. Allez. Bonjour, petit. Oh. Vous avez l'air épuisé. Oh, ma petite Christine. Je n'avais pas fait d'exercice depuis... Ben, c'est pas difficile. Depuis que je joue à la marelle. Oh. Et là, depuis 2 jours, j'ai l'impression d'avoir concouru pour les Jeux Olympiques. Ah, oh, et dans toutes les disciplines encore. Oh. Vous avez trouvé un moyen pour me sauver? Pas un moyen, quelqu'un. Venez là. Oh. Et restez sur le qui vive. Excusez-moi, pourriez-vous me renseigner, monsieur le moniteur?
Je suis pas moniteur, mais je peux vous renseigner. Que voulez-vous savoir? Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? C'est une table à cuisse. Une table à cuisse? Ah. Écoute, comment ça marche, ça? Eh ben, c'est très simple. Regardez. Alors, ce mouvement fait travailler les quadriceps. C'est ça, hein? Ah oui. Et vous en avez un autre. Cette fois-ci, allongé. Oui. Si vous voulez bien attacher, s'il vous plaît. Oui, mais volontiers. Tenez, passez-moi la courroie. Parce qu'il faudrait être attaché. Hein. Voilà, oui, oui, oui. Je vous la boucler. Très fort, hein? Voilà. Bien comme ça. Bon. Alors, ce mouvement, c'est les biceps cruraux. Oui, oh, ben, je vous regardez-les bien. Oui, là. Oui. Christine! Ouh. Christine! Christine, reviens! Mais détachez-moi! Christine! Salut! Reviens, tu me paieras! Tu me le paieras, Christine! Voyons, dépêchez-vous! Mais c'est pas pitié, je peux. Ah, le voilà! Charles-Henri! Charles-Henri, dépêchez-vous! Ah. Oh, j'aime pas ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais oui, mais oui, plus vite! Ah. Non, vite, vite! Ouais. Mais démarrez, bon sang! Pourquoi il y a quelqu'un de l'enfant? Il y a quelqu'un de la klaxonneur! Pardon, madame! Oh. Vite, vite, vite! Attends, attends, vite, vite. Mais arrêtez, vous allez les faire mal! Mais c'est pas vrai, ça! Christine! Non, partez bien! Dites-leur d'arrêter! Attendez, je vais le faire descendre! Que madame se pousse! Attention, il y a ça! Oh! Il y a ça, attention! Attention! Arrêtez! Il sort, ce con! Ouvrez! Je vais le faire descendre, moi! Ouvrez! Regardez, il se relève! Il ne s'est jamais aussi bien porté! Cher ami, je vous serais reconnaissant de ne pas me prévoir dans votre prochaine expédition. Quant au feu, va. Mais plus vite! Allez, allez, allez! Allez, Charles-Henri! Alors? La campagne a été rude, mais succès sur tous les fronts. Charles-Henri a été admirable. Je te présente Christine. Bonjour. J'espère que tu vas pouvoir la loger. Ah oui, le bureau est toujours prêt à tout hasard. Parce qu'ici, maintenant, c'est la maison des hasards. La maison des heureux hasards. Et j'espère de la bonne chair. Car nous avons tous besoin de nous refaire. Hyacinthe. Madame. Ah ah. Champagne. Oui. Champagne. Et toi, Armandine, tu files à tes fourneaux. Allez. Et Christine, on vous installera tout à l'heure. Oui, c'est venu petit à petit. D'abord, ça a commencé dans la rue. Un homme se retournait sur mon passage et c'était une scène terrible qui durait des heures. Ensuite, il m'a interdit de sortir. Je vivais prisonnière. Être aimé comme ça, ça doit être divin. Surtout quand vous aimez celui qui vous adore. Malheureusement, je suis sûre que... Enfin, je... Je crois que... Enfin, je veux espérer que je ne l'aime plus. Non, je ne l'aime plus. Vous êtes sûre? Il est violent. Ça, tout porte à le croire. Attention, il sait être tendre aussi. Il a des moments désarmants d'une tendresse, d'une naïveté. Quand je l'ai rencontré, j'étais vraiment très désemparée. Je venais de rater ma licence et j'avais beaucoup travaillé pour... Je l'ai rencontré dans un café. Je ne voulais plus entendre parler d'études ni de quoi que ce soit d'intellectuel. Un monsieur muscle. C'était évidemment l'antidote idéal. Il était fort. Affectueux. Très affectueux. Allons. Allons.
voudrait beaucoup, Mitzi. Si je retourne chez lui. Je vous en veux si peu que je vais demander à l'ambassadeur, qui va s'en faire une joie d'ailleurs, de vous reconduire en voiture chez votre tyran, à Charles-Henri. Allez. Vous voyez bien que Christine est pressée. Et mon nécessaire? On vous le garde. Toi, tu m'attends là. Il est malade, ce type. Je prendrai pas de dessert. On ira ensemble, hein? Écoute, Boris, je veux faire du lèche-vitrine. Tu ne vas pas traîner derrière moi comme un chien malheureux. On les connaît, les magasins où l'on vend les manteaux. Hein? On y va tous les deux. Tu choisis, je te l'achète. Non, je veux faire mes courses seule. Tu vois, toi, vous, ce que tu veux, c'est pas acheter un manteau. C'est toute seule, hein? Ben oui, tu as raison, j'ai envie d'être seule, seule, tu entends? J'en ai marre de vivre avec un flic, une belle-mère, un espion. Je veux prendre le large, j'en ai marre, marre, marre! Oui? Madame, il y a là un monsieur qui désirerait vous voir. Monsieur Brise. Brise? Ça ne me dit rien du tout. Mais oui. Ah, mais oui, bien sûr, j'y suis. Et j'y vais. Vous faites l'inventaire, monsieur Brise? Ah, je ne suis pas un vilain parti, n'est-ce pas? Oh, superbe, madame Lemoine, superbe parti. Asseyez-vous. Que me vaut l'honneur de votre visite? Pure curiosité ou évaluation de ma dot? Non, je venais m'assurer que cette sorte d'assistante sociale que j'avais rencontrée un soir était bien madame Lemoine. Des célèbres chaussures Lemoine. Vous m'avez troublé. Je n'arrivais pas à croire qu'une femme comblée, comme vous devez être, s'amuse à jouer au SAMU. N'est-ce pas? Et puis, chère madame, je vous l'avoue, vous m'avez troublé aussi d'une autre façon. Oh, monsieur Brise. Monsieur Brise, vous n'allez pas recommencer. Mais je ne crois pas une seconde à ce coup de foudre. Et d'ailleurs, je vais vous dire, même s'il y a foudre chez vous, cette foudre n'a rien allumé chez moi. Pas la moindre étincelle. Ah bon? J'ai l'impression d'être un intrus. Mais non, mais non, mais non, je suis ravie de vous voir. Car vous allez pouvoir me donner des nouvelles de vos voisins. Oh là là, elles sont bien mauvaises. À ce point-là. Oh,
cris, hurlements. J'avais l'impression ces derniers soirs qu'il finirait par briser les murs à force de se jeter des objets à la tête. Hier, ça a été l'enfer. Et puis, vers minuit, j'ai entendu crier au secours. Et ensuite, un silence de mort. Moi, je crois qu'il l'a tué. Comment ça qu'il l'a tué? Non, mais... Et vous dites ça comme la chose la plus naturelle du monde. Vous n'avez pas été vérifié. Non, vous n'avez pas été voir. Vous n'avez pas été sonné. C'est pas mes affaires. Enfin, vous trouvez que je n'ai pas assez de mérite d'avoir supporté leur vacarme? Non, monsieur Briseux. Vous êtes un lâche. Oh. Allons-y. Hyacinthe. Madame. En avant. Allez, allons-y. Allons-y. Ah, Hyacinthe. Qu'est-ce qu'il y a? Mon manteau. J'y vais. Hyacinthe, enfoncez la porte. Allons. Où est Christine? Elle est partie. Partie? Hein? Christine! Christine! En effet, elle n'est pas là. Où est-elle allée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous savez où elle est. Et vous allez me le dire. Non. Si. Alors. Alors où? Alors où? À l'hôpital Lariboisière. Non, 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 il ne m'a pas battue. C'est en voulant m'échapper que j'ai glissé et j'ai tapé du front contre la poignée de la porte. Je me suis évanouie et comme je perdais beaucoup de sang, ben, il a été obligé d'appeler le SAMU. Et voilà. Et vous n'avez pas peur qu'il reparte à votre recherche? Oh non, je ne crois pas. Il a eu si peur quand il m'a cru morte. Non, maintenant il a renoncé. Enfin, je l'espère. Vous le quittiez, vous partiez, mais pour aller où? Oh, je comptais aller habiter chez ma sœur, le temps de trouver un emploi. Enfin, j'ai tout de même fait quelques études de psychologie. Psychologie? Psychologie? Mais c'est formidable! Alors j'ai quelque chose à vous proposer. Je crois avoir trouvé le moyen de vous faire oublier vos drames sentimentaux. Ah bon? Mais avec quoi? Avec le drame des autres. Vous verrez. Oui, oui, bien sûr. Bonjour! Je vous amène du renfort. Odette? Bonjour. Dites-vous que vous connaissez. Bonjour. Christine qui va habiter chez moi et qui est toute prête à vous aider. Et Gérard? Ah. Bon, alors si je comprends bien, vous aimez une femme qui ne vous aime pas, qui en aime un autre qui l'aime, mais qui ne veut pas quitter sa femme pour elle. Mais c'est Bérénice que vous me racontez là. Hein? Non, Bérénice n'est pas une femme. Enfin si, mais c'est surtout une tragédie de Racine. Ah bien, dans Bérénice, elle s'en va et ils sont tous les trois malheureux. Bah oui, je suis désolé. Je vais le raccrocher. Il aurait voulu que Bérénice se termine bien. Bonjour Gérard. Merci. Je vous présente Christine, qui ne demande qu'à faire partie de votre équipe. Elle sort d'un cauchemar et je crois que ça lui ferait du bien de n'avoir à penser qu'aux autres. La séquestrée, c'était vous? Oui, et c'était vous qui m'aviez répondu. Votre voix m'avait bien réconfortée. Oh, sans parler de Mitzi, qui m'a sauvée deux fois du piège où j'étais prise. Mais maintenant, c'est bien fini, je veux être libre. D'ici à ce que je m'attache à un homme. Et vous croyez qu'au téléphone, vous serez rassurée, consolée? C'est très dur, vous savez. Surtout lorsqu'on a affaire à des désespérés. J'essaierai, j'ai fait des études de psychologie. Ça suffit pas toujours. On a des groupes de formation. On vous cadrera. Venez avec moi près du téléphone. Vous allez voir. C'est pas si facile. Mais grâce à Mitzi, on devient opérationnel. Et même efficace. Lorsque les cas deviennent dramatiques. Vous en savez quelque chose? Oh, moi, n'en parlons plus. C'est complètement, mais alors complètement oublié. Ils sont charmants. Surtout ce Gérard, si compréhensif.
Vous avez vu qui nous suit? King Kong. Boris? Ne vous affolez pas. Restez là. Moi, je vais liquider cette affaire une fois pour toutes. Je commence à en avoir assez. Alors maintenant, écoutez-moi bien, mon ami. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Ou vous fichez la paix définitivement à Christine, ou je fais appel à la police. Rassurez-vous. Maintenant, j'ai compris. Elle m'aime plus. Si, si, j'ai compris. Alors pourquoi nous suivez-vous, puisque vous avez compris? Je voulais simplement savoir si elle était guérie. Elle va bien, et il ira encore beaucoup mieux si vous la laissez en paix. Je la laisserai. Promis? Promis. Eh bien voilà. Il ne vous embêtera plus. Il n'est pas trop triste? Oh non. Oh non, vous n'allez pas remettre ça. Non. Allô? Ah, Gérard. Ah bon? Oh, mais très bon. Exquise, jolie, simple. Bon, vraiment charmante, hein? Voilà une affaire à suivre. C'est grave? Grave, non. Mais ça m'a tout l'air sérieux. Alors, t'as aimé? Je me suis régalée. Ton sorbet au nougat. Extra. Oui, mais ce qui n'est pas extra, c'est que je l'avais fait pour Christine. Ah, il nous laisse bien tomber, hein? Puis qu'elle est amoureuse de son Gérard. Avec mon consentement, mes encouragements, mes félicitations et ma bénédiction. Oui, mais dans le temps, elle découchait une fois par semaine. Maintenant, c'est quatre fois. Ben ça, c'est pas très convenable. Tu me fais rire. Convenable, qu'est-ce qui est convenable? Une fois, mais pas quatre. Ce qui est pas convenable, c'est que je l'avais prévenu que ce soir, je lui ferai un sorbet au nougat. C'est entre un amant exquis et un sorbet au nougat exquis. Elle avait choisi le nougat. Je crois bien que je lui aurais fichu le sorbet à la figure. On peut entrer? Oh, Gérard! Christine! Je me suis permis d'inviter Gérard. Je voulais absolument lui faire goûter le sorbet au nougat d'Armandie. Mais on est trop tard. On a tout mangé, hein? Oui. Oh, mais à votre santé, mes chéris. Et à votre bonheur. Merci. Si j'étais le soleil, le bleu du ciel serait toujours pareil. Chacun sur terre aurait au fond du cœur un grand bonheur. Là-haut. Chante avec moi. J'ai des amis, des tas de copains qui vivent leur vie mais ne voient rien. Ils ne savent pas que le soleil, ça se regarde en face. C'est toujours lui qui fait la vie.